Alexandre Lippmann est un sportif de renom, mais il appartient aussi à une famille très spéciale. Né le 11 juin 1881 à Paris, Alexandre Lippmann est un escrimeur français. Il a été médaillé à plusieurs reprises lors des Jeux Olympiques de 1908, 1920 et 1924. Il a notamment remporté une médaille d'or à Paris lors des Jeux Olympiques 1924, lors d'un combat d'escrime en équipe. Il décède en 1960 à Paris, mais alors quel est son lien avec les Yvelines? Alexandre Lippmann se trouve être l'arrière-petit-fils du célèbre écrivain Alexandre Dumas, lui-même constructeur du château de Monte-Cristo à Port-Marly. Outre sa carrière sportive, il a également été artiste peintre et plus spécialement aquarelliste. Sa fréquentation active avec le Paris mondain lui permet de présenter régulièrement ses collections dans des expositions parisiennes. Son appartenance à la famille Dumas lui a permis d'accéder facilement aux cercles les plus prestigieux de la capitale, tout en continuant sa carrière sportive à succès. Il a d'ailleurs en 1906 l'occasion de présenter ses œuvres au Salon des artistes français. En guise d'hommage, un gymnase porte aujourd'hui son nom dans le 17e arrondissement, son quartier de naissance.